shell at that time. Aujourd'hui, on est dans le village de l'innovation à Marrakech dans le cadre du Global Entrepreneurship Summit. Donc on est une des startups qui a été sélectionnée parmi 20 startups dans le monde pour présenter nos produits, ce qu'on fait. Aujourd'hui, la marque elle est bien implantée au Maroc et on commence à se développer au niveau international à la suite de notre participation à deux salons internationaux en 2013 à Orlando en Floride, dans le Surf Expo qui est le plus grand salon international dans le domaine du surf. À la suite de ça, on a signé des accords de distribution avec des partenaires à Hawaï, avec des partenaires en Europe. Dernièrement, on était au salon de Surf Expo en Hollande. On a également rencontré des distributeurs qui sont très intéressés pour la distribution de la marque au niveau Benelux et au niveau européen. Aujourd'hui au Maroc, on travaille avec les plus grandes écoles et clubs de surf. Ils nous font confiance, ils sont très contents. Ils ont un produit de qualité avec un prix qui reste très raisonnable. On est, par rapport à la compétition, placé de manière à ce que, en fait, ça va être très difficile pour les concurrents de nous concurrencer chez nous au Maroc. Et notre ambition, en fait, c'est d'aller les concurrencer chez eux. On est, on va dire, partenaire avec l'association Bahri, qui est assez connue au niveau marocain, surtout sur les plages de Casablanca. Depuis maintenant quelques années, ils organisent plusieurs opérations de nettoyage de plages à travers le Maroc. Donc c'est une des associations, c'est l'association qu'on supporte. Sur chacune de nos planches, on a le logo de l'association, on reverse 1% donc à l'association Bahri.